si tu savais tout le mal que l'on me fait. Washington, Riyad, Tel Aviv. Le bon, la brute et le truand. Le bon évangéliste, la brute wahhabite et le truand sioniste. Ils ont le même dessein, faire toujours comme s'ils n'y étaient pour rien. Trois pays aux traditions lucratives qui s'enrichissent entre autres sur le dos des pèlerins ou autres pantins. Leurs mensonges et paroles d'évangile, alors qu'ils ne font que travestir le Coran ou les Saintes Écritures. Et pour ne pas construire leur château sur du sable, ils ont délaissé le diable et encensé un faux dieu, l'argent. L'argent, comme seul et unique garant de la prospérité des nations. Et ce n'est pas le veau d'or, mais les vaches à lait qui leur fournissent leur blé. Washington, Riyad et Tel Aviv n'ont jamais cessé de canoniser l'état des faits et de l'opposer à l'état de droit. Et avec les temps et les contretemps, ils ont fini par dévoiler leur vérité révélée, vérité selon laquelle ils œuvrent en secret pour le bonheur des leurs, au détriment de l'humanité. Le Moyen-Orient est leur terre de prédilection, car ils estiment, à juste titre, qu'il n'y a point de géographie sans histoire, et point d'histoire sans la version tronquée de ceux qui détiennent le pouvoir. Celui de la traite des Noirs, celui de l'or noir et celui du marché noir. Trois capitales qui reproduisent tous les jours le même récital, celui du nouvel ordre mondial ou de la refonte du droit international. Et toutes nos divisions leur profitent. La guerre ouverte entre sunnites et chiites, le monde arabe qui s'effrite, l'Europe qui périclite, et les pays pauvres qui les sollicitent. Ils sont à l'origine de la plupart des faillites. C'est le triangle des Bermudes, on s'y perd, et on ne s'y retrouve plus. Que gouffre incontournable pour toutes les bourses. Et pour tout changement de structure, on a besoin de leur aval, de leur approbation, de leur bénédiction. Rien ne se fait dans le monde, rien ne se défait, tout se transforme sous leur dictée ou leur coup monté. Et voilà leur dernier article de foi. Offrir sur un plateau et en lettres capitales, Jérusalem. Aux Israéliens, pour leurs bons et loyaux offices, et mettre définitivement une croix sur toute résolution équitable du conflit israélo-palestinien. Bingo ! On se partage le magot ! Le bon et la brute font la plus belle part aux truands, qui ne réclamait pas d'obol, mais juste un symbole pour rentrer dans l'histoire ou ne plus en sortir. Parce que tout compte fait, les trois compères veulent la même chose au fond, dominer les autres. Et pour ce faire, subordonner tous les intermédiaires. Parce qu'ils savent que l'enfer est pavé des plus belles intentions, et qu'il n'y a point de paradis sur terre, mais trois royaumes totalitaires, Wall Street, Médine et Jérusalem. Ce que W a rêvé de faire, Me Too, Trump, va le parfaire.
cette nuit à 23h32 heure française. Et il vous mentira s'il dit le contraire. Oh Marie, si je pouvais